Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de crêpes sans gluten et sans lactose. Voilà, donc vous allez vous munir de maïzena, de lait de soja ou lait d'avoine ou lait de riz ou lait d'amande, un lait sans lactose. Voilà, de la fleur d'oranger si vous voulez, si vous aimez, un petit peu de vanille. Et moi j'ai pris du sucre vanillé, c'est pas du sucre, c'est de la aspartame vanillée de chez Combelle. Voilà. Et deux œufs. Donc on va faire une préparation avec 25 centilitres de lait. Donc nous allons mettre 100 g de maïzena. Je prends ma petite cuillère. Vous pouvez prendre aussi une autre farine, de la farine de riz aussi. Et voilà, vous pouvez prendre la farine de riz et aussi la farine de sarrasin, qui est bien. C'est bien de mélanger les deux, en tout cas. Donc 100 g. Si vous voyez, il y a marqué 101 g. Ben là, du coup, il y a 100. Ah, ça y est, 101. Donc, 100 g de maïzena. On n'a plus besoin de la petite balance. Voilà. J'aurais pu aussi la tamiser. Mais vu que je vais mélanger ma pâte à crêpes avec un mixeur plongeant, pas la balle. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, là j'ai pris un petit essuie-tout avec de l'huile pour ma poêle. Voilà. Donc, on va mettre ça. Je vais mettre ma mie de volatile. Voilà. Donc, je vais rajouter encore de la vanille. Un tout petit peu, j'ai dû mettre une pincée. Je ne vais pas jeter la vanille ici, mais ça va me balayer. Parce que ça coûte un peu cher. Voilà. Quand même un fouet après. De mon lait de soja que j'avais déjà pré-dosé, donc j'ai mis 25 centilitres de lait de soja. J'ai un bouchon mince de fleurs d'oranger. Voilà. On commence à mélanger. Passer ma pâte à crêpes au mixeur plongeur. Donc vous avez une pâte à crêpes bien lisse. Voilà. Et vous allez la laisser reposer pendant à peu près 30 minutes au frigo. Voilà, ma pâte a reposé pendant 30 minutes au frigo. Donc je vais la mélanger parce que des fois la maïzena reste au frigo. Parce que vu que j'ai mis 25 centilitres de lait, donc si vous prenez une poêle très grande, vous allez avoir moins de crêpes. Donc j'aime bien avoir la quantité. Donc voilà.
Vous mettez le feu sous votre poêle. Vous passez un petit chiffon, un petit sopalin avec de l'huile. Voilà, pour pas qu'elle se décolle. Alors la première, c'est toujours laisser. La première, en général, c'est pour les chiens. Pas si vous aussi. La première crêpe, c'est la crêpe de l'essai. Si vous aussi, vous pouvez mettre un commentaire. Voilà, sur ce je prépare toujours ma petite assiette sur le côté. Alors si vous voulez que ça accroche moins, vous pouvez mettre aussi une petite cuillère à café dans votre préparation. Moi, c'est vrai que j'en ai jamais. Un peu trop fort aussi. Voilà. Et vous continuez. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini et j'ai fait à peu près 15 ou 16 crêpes. Et avec ça, je me suis fait un petit smoothie banane framboise citron. Voilà, bon appétit à tous. Ciao.